Heureux ce matin? Amen. Faut pas attendre, non, hein? Bonsoir, bonsoir, ça. Heureux ce matin? Amen. Il y a la joie, vraiment? Amen. Bon Dieu, donne-nous la joie, je connais. Hein? Amen. Même toutes les choses qui passent, bon Dieu, donne-nous la joie. La joie du Seigneur, c'est ma force. Et des fois, ma douceur, parler la nuit, coquin ou la joie. Les messages ce matin, mes frères et sœurs, comme dans pour les mois de mai, nous vous partageons sur le Saint-Esprit. Nous vous partageons sur le Saint-Esprit. Laisse-nous baisser la tête, puis Dieu dirige tout par le Saint-Esprit. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, nous mettons dans ta présence, Seigneur Dieu, nous glorifions toi, tu es un Dieu grand, tu es un Dieu merveilleux. Merci Seigneur pour les messages ce matin, qui vraiment c'est le Saint-Esprit. Et même merci Seigneur, moi je souhaite toi la place, qui te partage avec tous les peuples, Seigneur Dieu. Et même merci qui est online aussi, qui écoute tes paroles Seigneur. Et vraiment quand nous sommes là, pour être bénis, dans le nom de Jésus-Christ. Tout est pas dit? Amen. 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 Alléluia. Nous sommes dans Matthieu, Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 3, verset 11. Matthieu chapitre 3, verset 11. Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter sur lui. Il vous dépassera de Saint-Esprit et de feu. Gloire à Dieu. Je trouve vraiment une fraîcheur qui, sans Baptiste, nous connaît sa puissance. L'idée est qui gagne pour venir de plus puissance que moi. Les plus puissants que moi. Et même, il dit à sa personne-là, il peut baptiser les autres par le Saint-Esprit et de feu. Quand il dit le Saint-Esprit et de feu, ça qui sort là vraiment, il fait les autres encourager pour vraiment agir. Que Dieu donne aux autres sa puissance. Parce que Dieu nous promet nous ça. Le Saint-Esprit, quand Jésus dit, quand on peut aller, il faut qu'il y ait un consolateur. Nous avons ça dans Jean chapitre 14, verset 16. Jean chapitre 14, verset 16. Il dit, et moi, je prierai le Père et il donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et oui, il faut demeurer éternellement, il quitte un consolateur qui enfin il reste avec nous tout le temps. Dans verset 17, Jean 14, verset 17. Dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point, il ne connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Et le vrai. Pour le monde, je ne connais pas ça, veut dire le Saint-Esprit. Je ne connais pas qui était le consolateur. Je ne connais pas. Parce qu'il y a une chose invisible. Une chose qui vraiment pas connaît. Mais bien ceux qui n'acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur qui connaissent et un consolateur. C'est le consolateur qui vraiment quitte nous, ben professeur, qui nous montre nous. Nous sommes dans verset 26, ça pour là. Dans Jean, chapitre 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'esprit que le Père enverra en mon nom, il vous enseigne toutes choses et vous rappellera tout ce que vous avez dit. Qui vraiment, le consolateur, c'est le Saint-Esprit, il enseigne-nous. Enseigne-nous dans sa parole, enseigne-nous ce qu'il a fait et fait nous rappeler dans sa parole qu'il dit. Dans toute la prédication, il fait nous rappeler. Et du coup, bien sûr,
Parfois, quand on a un moment difficile, le Saint-Esprit il vient nous rappeler qui plus vraiment dit là. Il dit à nous, hé, pas décourager moi avec toi. N'importe quel moment, quand les moments difficiles, même dans tout moment, malade, n'importe quelle chose, arrivé, bon Dieu dit là. Cette chose, laisse le Saint-Esprit guide nous. Quand nous pensons, même quelque chose en nous pensons qui résonne en nous pensons. Mais quand le Saint-Esprit dirige nous, je pourrais reconnaître que la parole de Dieu encourage nous et la parole de Dieu fait grande chose dans nous là. C'est pourquoi nous sommes un chrétien croyant. Nous croyons dans le nom de Jésus-Christ. Nous croyons vraiment que Dieu est avec nous. Et nous bien croyons parce que Jésus dit dans Jean chapitre 3, verset 5. Jean chapitre 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, Jésus le dit, si un homme né des deux et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Quelqu'un n'est pas né des baptêmes, mais il prend immersion des baptêmes d'eux, et même les baptêmes du Saint-Esprit, n'est pas capable de rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que nous, en tant qu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, nous vraiment, nous bien accepter et nous prenons le baptême. Et vraiment, nous prenons le baptême du Saint-Esprit. Il y a pour autant le baptême du Saint-Esprit. Je connais ma professeur qui fait un rappel en 1990, quand on acceptait Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, c'est le moment où je suis content de dire à mes leaders, à mes professeurs, je suis envie de gagner le baptême du Saint-Esprit. C'est le moment. En 1980, ça fait 40 ans aujourd'hui, j'ai accepté Jésus-Christ. Et vraiment, comment j'ai accepté Jésus-Christ dans 3 mois, un leader et moi comme ça. Prenez un œil, venez ce jour-là, laisse maintenant pour vous amener le doigt pour te recevoir le Saint-Esprit. Et vraiment, j'ai allé avec zèle. Réunion commençait, c'était à 6h, je finis en tabac. Maintenant, je dis, waouh, je viens de venir, je dis, oui, je viens de venir. Je suis là, je viens de recevoir le Saint-Esprit. Et vraiment, comment maintenant prier en langue, tous les flammes, prier en langue, prier. Gloire à Dieu. Les leaders, ils commencent à poser la main sur moi. Je sens un qui sort dans moi, depuis là où je suis en bas. Rempli, un salaire. Je parle en langue depuis ce jour-là, parle en langue jusqu'à aujourd'hui, encore parle en langue. C'est pourquoi il y a le Saint-Esprit, jamais pour quitter-toi, pour éternité avec toi. Et vraiment, quand tu parles en langue, ça, une quelque chose développe plus dans l'âme. Il y a quelque chose qui développe plus dans moi, qui vraiment m'envie. L'an dernier, donc moi-même, il y a un ministère qui m'a senti, m'a vu ça, ce démon, ça joue. Pourtant, je ne pas connu comment le démon était. Ça, l'esprit-là, il m'a vu ça, ce démon. Je me dis, monsieur, comment on rentre dans la carte, je me dis, je recevoir le baptême. M'a vu ça, ce démon. Je me dis, hé, qu'est-ce que ça? J'ai envie ça, ce démon. Je me dis, quoi, beaucoup de choses. Je me dis, oui, m'a vu ça, ce démon. Il y a une chose qui, dans moi, qui m'a bouillon, m'a vu ça, c'est un esprit mauvais. Et les vrais. Comme on réduit à mes leaders encore, et mes leaders s'encouragent moi, et je s'enseigne moi, c'est quoi les démons? Mes démons possédés. Et n'a pas, et chaque fois quand j'ai une réunion de prière, je trouve mes démons possédés, mes démons tombés, vraiment, moi, prier pour ça. Et quand prier, moi, j'ai découvert le Saint-Esprit manifesté, qui vraiment, quand vous priez pour la personne, l'Esprit, mauvais saut dans la découlade. Et une puissance, même pression. Donc, quand le Saint-Esprit avec les autres, une puissance dans les autres. Vous ne voulez pas sentir les autres comme un rapport. Non, une puissance, même pression. Le Saint-Esprit lui donne la force pour décrire ben, tout l'esprit du mal. C'est pourquoi,
Jésus même dit dans Actes chapitre 1, verset 8. Dans Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez d'une puissance de Saint-Esprit, c'est venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Dit oui. Tu pourras recevoir une puissance de Saint-Esprit sur vous, et vraiment tu pourras être témoin à Jérusalem, la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Dit oui, mais tu es sûr, quand nous recevons le Saint-Esprit pour contrôler tout, il faut faire ta témoin, rendre témoignage pour bon Dieu. Et vraiment, nous rendre témoignage pour bon Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et livrez, mes frères et sœurs, mon courage. Quand nous marchons avec Dieu, nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous prenons le baptême immersion, nous prenons le baptême du Saint-Esprit, Dieu montre une très grande puissance. Dans Actes chapitre 10, verset 1 à 4, Actes chapitre 10, Actes chapitre 10, verset 1 à 4, il cause les jours de la Pentecôte. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Remarquez les messages qui disent tout ensemble, de pas séparer, tout ensemble. La parole, c'est là le pasteur de Gola qui veut dire, quand deux ou trois sont réunis dans son nom, c'est là les présents. Mais c'est vraiment, il voit ça. Quand nous tous ensemble, Dieu l'a manifesté. Et vraiment, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 10 dit, tout à coup, il vient du ciel, un bruit comme celui qui vend un précieux, et il remplit toute la maison qu'il était assis. Des langues semblables à des langues de feu, il apparut séparé les uns des autres et se posait sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mis de parler en langue d'autres langues selon l'Esprit qui a donné exprimé. Je trouvais même une fois sûr, les jours de la Pentecôte, de tout petit peu prier. Quand un petit peu prier, le Saint-Esprit descend. Il remplit tout, mes frères. Quand il remplit tout, et je tout vraiment recevoir le Saint-Esprit, je commence par leur langue. Mais ce, vraiment, nous sommes bien. Quand l'Esprit parle leur langue, je remplis. Le Saint-Esprit lui montre aux autres, vous n'encouragez, vous capable de causer, vous capable faire tout. Qui faire? Quand pire qu'avec Jésus, Jésus dit moi pour aller, ben n'a pour crapement pour tout. Pierre, tu parais comme un gros débois, dit non, moi pas avec toi. N'importe quelle place, moi pas avec toi. Jésus dit tu pour réunir trois fois. Tu pour réunir trois fois, réunis-moi trois fois, et livrer. Simple qui chose. Trois serviteurs, puis que tu dis, maintenant, on prend Jésus, on allait, on tasse Jésus, on amène dans la place que vraiment pour condamner. Puis il y a un cachette. Il y a quand même faire fouiller, quand même, quand il y a du fait, mais le serviteur dit, hé, moi, tu joues, toi, ça, mais Jésus. Qui dit, non, non, tu fais faire rire, pas moi ça. Pas moi ça, moi, pas moi qui, hein. Il dit ça trois fois, pas moi ça. Et le troisième coup, Jésus il dit, quand troisième fois, tu réunis, moi, quoi, pour chanter. Là, là, il rappelle, quoi, chanter. Et il dit, pleurer. Mais les jours de la Pentecôte, écoute bien la parole de Dieu, quand je suis rempli de Saint-Esprit. Pierre, dans Actes chapitre 2, verset 41, dans verset 41, dit Pierre qui tu fais. Pourtant, trois serviteurs, ils disent non, ils commencent timide, ils disent non, pas moi. Dans verset 41, ils disent, ceux qui acceptent Jésus-Christ tous les jours, le nombre des disciples sont morts. 3000 personnes qui répandirent. Qui fait? Pierre dit du bout, dans verset 38, dans Actes chapitre 2, verset 38. Pierre dit du bout,
L'Éternel recevoir le Saint-Esprit, Pierre dit, vous n'êtes pas si honteux, pas si père, non, rien. Pierre lui, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, au nom de Jésus-Christ, pour les pardons de votre péché, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Et combien ils ont accepté Jésus-Christ? 3000 jours. Trois personnes, typiquement, ils ont dit, mais tout le temps avec Jésus-Christ, ils ont dit, non, pas moi, ça ne fait rien. Quand ils recevront le Saint-Esprit, ils ne prient pas pour ça. C'est pourquoi, avec vos soeurs, Dieu vient de nous, le Saint-Esprit. Vous ne voulez pas nous payer pour l'évangile. Alors, presque la bonne nouvelle avec même les autres, même frères, même personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est nos devoirs, avec vos soeurs. Presque la parole avec ce tout. Nous continuons encore que Pierre lui récolte encore dans Actes chapitre 4, verset 4. Il montre dans 5000 du monde converti. Actes chapitre 4, verset 4. 5000 du monde converti. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit lui montre nous qu'il a une puissance nous capables. Il ne faut pas nous monter. Le Saint-Esprit pour guider nous, le Saint-Esprit pour comment. Fais-nous pour, vraiment pour tirer ça la honte dans nous là et nous sommes plus pauvres dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi les hommes David qui péchait, dans Psaume 51, verset 11, quand les rois David qui péchait, il dit à Dieu, partir le Saint-Esprit en moi. Et qu'il dit en nous? Psaume 51, verset 11. Psaume 51, verset 11. Il dit, ne me rejette pas loin de ta face. Il dit, oui, verset 11. Ne me rejette point, ne rejette point loin de ta face. Ne retire pas ton esprit saint. Il dit, pas tire aucun ton esprit avec moi. Et il dit, oui, il connaît le Saint-Esprit pour diriger tout, pour faire tout. C'est pourquoi m'encourage, mes frères et sœurs, quand nous péchons, le Saint-Esprit pour quitter. C'est pourquoi ne voulez pas nous pécher, mes frères et sœurs. Marche avec Dieu, suivez-lui et jusqu'à le finir. Parce qu'il fait, quand David dit ça, il connaît le Saint-Esprit qui peut diriger tout dans son vie. Parce qu'il y a une loi, il y a une grande responsabilité. Pour les peuples Israël. Il y a une grande directive. Le Saint-Esprit, Dieu cause avec lui, qui vient faire, comment bien développer, comment bien faire, toutes choses. C'est ça qui est important. Qui David, qui ne vient pas laisser le Saint-Esprit, aujourd'hui, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous appartenez point à vous-même. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit, il vous dirige, il vous montre nous, parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit. C'est ça, mon courage, mes frères et sœurs, quand nous sommes les temples du Saint-Esprit, nous faisons marche avec Dieu. Suivez ce parole, obéir à Christ. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, il dit, Éphésiens chapitre 4, verset 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel nous avons été scellés pour les jours de la rédemption. N'attristez pas. Il dit, nous ne voulons pas nous attrister le Saint-Esprit. Il fait, nous devons rester dans la joie. Pas le Saint-Esprit triste. Pas mettre des apports. Le Saint-Esprit dit là, mes frères et sœurs. Dit là, il marche avec nous, il suit nous. C'est pourquoi, mon courage, mes frères et sœurs, ça fait 40 ans encore peut suivre dans le ministère parce qu'il est Saint-Esprit qui est dans moi, qui peut vraiment. Pédérisme. Mon courage, mes frères et sœurs,
parce que vraiment, moi j'ai un contentement pour servir bon Dieu. J'ai un contentement pour glorifier bon Dieu. J'ai un contentement pour venir réunir bonheur. Demande-moi mes enfants, demande-moi madame, qui est un bien sûr de la case, top, 9h-15, bien fini, mais je suis, je plains, je tout, nous ferons dans ton faux permis. Il y a un principe, parce qu'il fait, mon compte en rapport. C'est ça qui est important, ma question. Nous bien content à bon Dieu. Pas faire plaisir à tous les goûts avant. Faire plaisir à bon Dieu. Si je suis content à bon Dieu, viens venir à l'église, ma question. Ça n'est pas moins 15 ans, il y a encore trop tard pour moi, mon souhait. Mon jour, je me rappelle, tout le temps, ma petite Jason travaille. Un jour, dimanche, Jason est mal bien travail. Ça joue la bonne heure, 6h, je commence à quitter. Je suis appris que je passe pour l'église, que je casse. Et ça, l'église, à 6h30, il finit ouvert. La porte est encore ouverte. La lumière ouverte est encore tout claire. Et pourtant, ce réunion là-bas a commencé à neveu. 6h30, finit ouvert partout. Je suis surprise. Parce que qu'il fait, il met bon Dieu premier. Il ne pas mettre ce plaisir avant. Parce que qu'il fait, mon Dieu, je suis sûr, il est important. Quand le patron dit on rentre 9h travail, on rentre 10h travail, qui a verrou? Il est tout devant la porte comme un patron. Vous donnez la main sur eux. Hey, bienvenue, rentrez, mon travail. Quand on travaille, je disais, patron là pour vous, oui, ok, oui, travaille. Ou soit patron là, mettre la main dans les rues, c'est l'air de finir ça. Les là, t'as vu, on paye à patron. Parce qu'il ne vient bien rentrer, on disait au père, au patron. Parce qu'il fait, patron, puis dire, c'est l'air de finir ça. Mais dis oui. Si vous payez au patron, mais vous ne payez pas à ça, bon Dieu là. Ça bon Dieu là, il est plus grand qu'il est patron, ça. Ça bon Dieu là, il fait une grande chose. C'est pourquoi Dieu dit à nous, bien content en lui. Et il voit, quand nous venons dans la réunion commence ici 9h30. Il ne faut pas nous venir vers 10h-15, non. Il y a un principe qui vraiment au rend bonheur. Quand on rend bonheur, bon Dieu même dit, un plaisir. Moi, je trouve bien les enfants de Dieu peuvent venir bonheur. Parce qu'ils sont contents. Des fois, et dans le job, quand Satan te cause en lui, quand Satan te cause avec Dieu, Dieu dit, qu'est-ce que ça dans ça, job? Satan dit oui, tu dis oui. Qui fait dire lui que dit? Parce que job, il est fidèle, ça bon Dieu. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous sommes fidèles, ça bon Dieu. Contaminé. Un dimanche, nous ne pouvons pas dire souvent. Dans le travail, oui, nous souvent. Mais souvent, nous allons 9h, finir, top, finir en travail. Mais il y a un seul dimanche, nous là. Et ça joue là aussi, nous rentrons tôt. Et, encore venir là, dormir encore. Faire fouet, couvert-moi, tigritan, couvert-moi, 5 minutes, arrive 5h du matin, couvert-moi. Je pouvais encore commander. Et il arrive 8h, comment galoper, à le poste des gens, galoper ici, en tabac ici, dans la rente ici, nous dort. Mais si vous voulez le bonheur, vous pouvez pas. Mais je dis, je suis avec bon Dieu. Je vais suivre ça, bon Dieu. Je suis content à bon Dieu. Et vraiment, j'ai pour appeler vous, pour travailler pour vous. J'ai pour appeler vous, pour bénir vous, monsieur. Et vous ben, si vous obéissez à bon Dieu, vous comptez à bon Dieu là, venez bonheur dans le réunion. La parole de Dieu dit, le plus grand commandement, tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Comptez à bon Dieu là avant tout. Faire plaisir à bon Dieu là avant tout. C'est ça qui est important, ben, monsieur. Mon courage, mes frères et sœurs, marche avec sa Dieu-là et content et suis le bon diable.
je viens guider nous. Quand Jésus allait dire, mon guide le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pourra nous pour servir. Le Saint-Esprit pourra nous pour marcher avec nous. Le Saint-Esprit pourra nous pour vraiment pour donner courage et la force pour sortir au-delà de tous les moments difficiles. Et les vrais mains. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 à 19, 16 à 19, je soyez toujours joyeux, priez sans cesse, vraiment, ne bien prier tous les temps, même fois. Soyez toujours, c'est pourquoi les matins, ce matin avant la réunion, commencer, ce qui est heureux, nous sommes toujours heureux. On est dans la présence de Dieu quand nous prions, moi je vais vous faire un exemple, quand nous prions, quand nous le bon Dieu, non, bien prier. Ah, un plaisir me rendre dans la présence. Un plaisir vraiment me rendre dans sa présence. Et il faut même fraîcheur. Quand on rentre dans sa présence, on devient heureux. Dieu, on passe un bon moment avec bon Dieu, mon content avec ma fraîcheur. Pour la gloire de Dieu. Quand les messages, chaque fois qu'on prépare un message, je dis à mes bons enfants, madame, pas de rentre. N'importe qui soit, mais dans si bon, je mange, merci, tu as l'air, mon bon, je mange, mais bon Dieu. Parce qu'il fait quand on fait presque la parole. Bon Dieu, pour Jésus-moi, si je me mal fais, bon Dieu, pour Jésus-moi, trois fois qu'il ouvre à ses écoutes moi. Parce qu'il est vrai, la responsabilité qui m'a fait prêcher, m'a bien un exemple en moi. Il est vrai, mes questions. Et comme on rentre dans la présence, bon Dieu, moi, je n'ai pas envie de sortir dans la présence, bon Dieu. Quand on ressort dans la présence de bon Dieu, on peut vivre dans le monde. Mais quand on vit dans le monde, il n'est pas pareil. Un jour, mon courage, mes fraîcheurs, chéri, rentre dans la présence de bon Dieu. Aime la joie, aime la paix, aime quelque chose qui vraiment, que le monde ne peut pas recevoir, il faut. Ça, la joie-là, est neutre. Ça l'appelle un autre. C'est pourquoi Jésus vient dire, j'ai 5 jours, tu parles dans le paradis, tu peux trouver ça. Tout l'homme, même quelque chose qui m'a une douleur, même tout pas prenant, tout pourrait être rassuré et tout dans la joie. Et vraiment dans la présence, bon Dieu, vous le voyez même. Quand tu rentres dans la présence, tu n'as pas envie de sortir. Pas envie de retourner dans le monde, de dire, bon Dieu, petit, tu prends moi ce qu'elle a, laisse-moi dans votre toi. Parce que vraiment, c'est la joie là, une joie merveilleuse, une joie toute puissante. Mon courage, mes fraîcheurs, rentre dans la présence, bon Dieu, commence à prier tout le temps. Et verset 18 dit, rendez grâce en toutes choses. Dieu, merci dans tout. Comme à lever grand matin, merci la journée, Seigneur. Merci, mon bel enfant. Merci, mon bel. Pour mon monsieur, pour mon madame, merci Seigneur pour la protection divine. Merci, bien à tout Dieu, merci. Car c'est à tout égard de la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Oui. Et verset 19 dit, n'éteignez pas l'esprit. Pas teignez l'esprit qui est dans toi. Persévérez maintenant. N'éteignez pas l'esprit. Livrez maintenant. Vous ne voulez pas nous teindre. Il voit, je vous trouve ça dans Jude, chapitre 1er, verset 20. J'ai pour vous, chapitre 1er, verset 20, j'ai pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même et sur votre très sainte foi. En priant par le Saint-Esprit, et le vrai. Quand tu édifies toi-même par la foi,
de vraiment quand tu pries par le Saint-Esprit, de prier et vraiment, de la foi augmenter. Et de la foi augmenter, de sentir toi de manière plus forte. Le message dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 10, me contentera depuis ma tisane spirituelle, tout le temps sans garde dans ma tête. 1 Corinthiens 14, verset 10. Si j'étais dans un moment difficile, les pensant. 1 Corinthiens 14, verset 10. Gardez bien. 1 Corinthiens, comme tisane, me suis bien content. Ça. Ça qui fait moi construire moi mon vie spirituelle. 1 Corinthiens 14, verset 10 dit, en effet, celui qui parle aux langues ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Quand personne ne comprend, même Satan n'y pas comprend, ni l'ennemi n'y pas comprend. Et c'est que l'Esprit qui dit des mystères, de trouver. Dans 1 Corinthiens 14, verset 4, ça aussi est important, mes frères, 1 Corinthiens 14, verset 4, j'ai celui qui parle aux langues, s'édifie lui-même. C'est lui qui prophétise, édifie l'Église. Livre et même fois sûr, ma foi, je partage l'Esprit en vous, prie en langue. L'Église AFM est l'Église pentecôtiste qui prie en langue, même fois sûr. Quand nous venons, nous bien passer un moment de prier en langue. Quand nous prions en langue, l'ennemi dispersé. L'ennemi dispersé, mes frères et sœurs. Mon moment très haut, comment vraiment l'ennemi dispersé? Quand on prie en langue, quand on prie comme ça, l'ennemi peut venir tout. Il est tout côté, il est tout quand on va prier. Quand vous lèvez la main, Alléluia, Mashalala, voilà, Bapmissi, oh, glory, Lord, Jesus Christ, Alléluia, oh, qu'il est fait, l'ami là pour que tu tombes, hein? Il peut sauver, il y a les dispersés, parce que qui fait, le Saint-Esprit en dedans de toi, il manifeste, le Saint-Esprit en dedans, il est vraiment fait quelque chose qui révolte, il vient comme un volcan, boum! Comme il y a boum, qu'il y avait. Tout l'ennemi mort. Mais il y a une explosion. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, quand les pasteurs de là, parfois, moi, t'en dis souvent dire ça. Laisse-nous prier en langue. Moi, t'en dis, pourtant, ça, j'aurais là. C'est que j'aurais pire. Une oreille qui me dit, Dieu merci, qui m'a entendu. Ça, j'aurais là, quand j'ai un cancer, il me poussait net. Mais celle-là, moi, t'en dis. Moi, j'ai une idée du monde qui prie en langue. L'histoire du monde qui prie en langue. Mais les bons qui nous tout prie en langue. Quand nous prions en langue, il y a une manifestation du Saint-Esprit. Là, le Saint-Esprit est venu avec une visitation. Quand il est venu une visitation, il fait un tourmentement dans la salle-là. Les gens, ils font un tourmentement. Tout ça qui n'est pas bon, tombe dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi m'encourager, mes frères et sœurs. Priez en langue. Priez. Mais souvent, on reste prié en langue parce qu'il fait un parcours un baptême du Saint-Esprit. D'ailleurs, nous proposons la main là-haut pour recevoir les baptêmes du Saint-Esprit. C'est ceux qui prennent prier en langue, qui nous refroidissent, nous proposons la main là-haut ce matin. Nous, vraiment, nous pouvons prier pour ré-remplir par le Saint-Esprit pour être manifesté. Et c'est vrai. Quand finit sa prédication, là, nous sentons Saint-Esprit. Quand tout là, mon âme est dans la joie. Tenez, nous sentons ça. Et je connais mes frères et sœurs, mon courage. J'ai dit, soir, moi c'est comme ça dans j'ai dit, soir, nous tous en ligne, l'écho n'est plus connu qui n'arrive. La fièvre, pénagou, vous voyez pénagou, hein, non? Il persiste, vous voyez, une chose. Vous voyez, il y a un esprit, parfois, l'esprit mauvais, l'esprit bon. L'esprit mauvais dit, hé,
pas online. Tous les cours, pas bon, repose-toi, l'eau, mieux mettre une nouille dans quoi, toi, repose-toi. Demain, ton travail, il y en a beaucoup. Deuxième, là, dire, ça, l'autre, là, côté droite, là, dire, non, rentre dans la présence, bon Dieu. Bon Dieu, pour faire grande chose dans tout la vie. Qui t'a écouté? À dormir, à l'écho, casse-casse, mal dormi. Ou soit, dire, rentre online, bon Dieu, fait grande chose avec. Et les voix comme on entend, la sœur Joy chante, Saint-Esprit est là. Mon femme me mon vieux dans sa présence là, me dit Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Je connais qui est arrivé, mes frères et sœurs. Qui sont qui dans les cours, si on a une casse cassée, pas qu'on est fini, cassé, tout disparaît dans mon écho. C'est fini. Mon bien, moi dans la joie, moi sans chanter là. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, Saint-Esprit n'est manifesté dans l'écho, n'est manifesté dans où palais l'ennemi cocani. L'ennemi, il vous venez pour dire que, hey, casse cassé. Mais si vous écoutez l'ennemi, plus manifesté encore, grand matin, pas envie de travailler, les collègues rient. Pourtant, quand je finis dans la présence de Dieu, je finis ça, moi, là, grand matin, je me lève plus à travail, encore en pleine forme. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, bon Dieu, pas pour rien, ni quitte le Saint-Esprit pour la terre. Les faire marche avec le Saint-Esprit, pour en croire sur, pour faire vraiment. Content pour faire vraiment suivre sur l'obéissance de la parole de Dieu, écoute le commandement de Dieu, et vraiment Dieu couvre vraiment du coup là, du coup bénis les autres, mes frères. C'est pourquoi pas décourager. L'ennemi dit tout le temps décourage nous. Alléluia. Mon courage, mes frères, mon courage, qui vraiment Dieu est merveilleux. C'est pourquoi, chaque fois que nous prions, le Saint-Esprit guide nous. Dans Romains chapitre 8, c'est le dernier verset, mon Dieu. Romains chapitre 8, verset 26. Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans notre prière, mais l'Esprit lui-même intercède par le soupir inexprimable. Des fois, quand nous avons prié, qui fait un homme de Dieu capable de prier au bout de temps, nevers temps, dixièmes temps, je ne pas prier avec toute l'intelligence. Nous avons prié l'intelligence et nevers temps. Capable de prier nevers temps. Mais les gens ne comment vous mais quand nous prions l'homme, nous passons un moment au bout de temps, nevers temps, dixièmes temps. Merveilleux, ça m'impression. Et vraiment, c'est ça qui est important. C'est une église bouillante, nous devons passer un moment de prier. Prier ensemble. Passer un moment de passer réunion de prière de nuit. Vous connaissez bien prière de nuit. Et pasteur Sam peut commencer à faire ça online. Hier, mon sarreur, mon père, ici rentré. Une réunion de prière de nuit. Les bons soulèvent la fin du mois et une réunion de prière. Ils nous joignent ensemble, mes frères, mes soeurs, les bons nous joignent. Hier, mon Dieu, pasteur Sam, avant-hier, mon Dieu, pasteur Sam, excusez. Quand je prépare le message, je ne parle pas de l'état, je ne parle pas bon Dieu aussi. C'est ça qui est important, mes frères. Et vraiment, quand je prépare le message, rentre dans la chambre, assisez, écrit le bon Dieu. Le Saint-Esprit lui peut causer maintenant. Le Saint-Esprit lui fait toutes choses, lui manifester dans la vie. Et même fait toutes choses, mes frères et sœurs, lui encourage. Parce que si tu prépares le message, parfois, je casse moi-même encore, mais les enfants disent pas, les manger, tu es encore dans la chambre. Qui fait, moi dans la prison, bon Dieu. C'est chaque fois. Et c'est-à-dire, mes enfants ont faim vite.
le décimant, oh, le faim, je ne vais pas attendre, je vais attendre pour manger. Mais oui, moi dans la prison, pour moi, c'est important. Ça est important, rentre dans la prison, rentre dans la chambre, prier. La parole vient nous prier sans cesse, prier l'homme. Si vous parlez à l'État, prier l'homme. Si vous venez, mettez un sang spirituel, moi c'est comme ça, je dis online, moi je disais, mettez un sang spirituel pour décrire ben, l'esprit mauvais dans la case. Vous ne connaissez pas qu'il y en a dans là. Vous connaissez qu'il peut passer. Toutes les choses sont invisibles. Dieu est invisible, l'esprit de Dieu est invisible, mais l'esprit du mal aussi est invisible. Vous ne connaissez pas qu'il y en a. Il est venu, ça. Parfois, il est venu, mais du monde, mais sans faire, il doit faire quelque chose. Mais où, dans le nom de Jésus-Christ, on est puissant, donc. Dieu finit pour mettre nous. On a donné l'autorité pour sacrer les démons. Mais le Saint-Esprit doit vous manifester. Quand il manifeste, tout est créé dans le nom de Jésus. Vous connaissez ça? Je me rappelle, il y a une prière, son maman qui est malade, pas qu'on est arrivé. Priez-moi aussi, mais nous prions. Prions l'homme. Tout le monde dit maman là pour parler. Moi, je dis maman là pas pour aller. Ni la haine, ni bien répondre sur la vie, ni bien remonter. Sa maladie l'a bien sorti. Et t'as fait prier, qu'il est arrivé. Il peut vomir. Et t'as fait vomir. Et t'as fait vomir. Moi, je dis ça, l'esprit, c'est mauvais, c'est l'esprit, ça. Il y a du monde qui finit de ne manger. Il accepte sa manger là. Nous allons nous donner manger, ça manger là, nous avaler et nous décrire sur la vie. Comment il peut vomir. Je me dis à l'esprit, saute dans l'école là. Allons tout dans notre place pour t'aider. Parce que nous avons l'autorité. L'État dit, saute dans l'école là, dans l'esprit que tu étais là. Qui n'a rien? T'as un voisin qui crie. Je vais vous dire, pas les venir. Ah, moi tout, Briani. Non. Prends ça, mets dans la présence, bon Dieu. Dieu, papa, dans le nom de Jésus-Christ, moi dis toi, bénis ce repas. Bénis tout, comme on mange, n'en ayez pas pour toucher. Bénis ce repas. N'importe quelque chose. Il y a du monde qui donne nous maman, vous donne un bol de carré, senti beau. Parfois, il y a des choses. Moi, je suis content de manger poisson salé. Moi, je suis content de manger poisson salé. Au cas où, je vais vous bénir. Je ne vais pas vous manger, je vais tout poisson salé. Je vais dire, non. Ou bien, vous mettez dans la présence de Dieu, bénis ça. Vous ne connaissez pas que du monde le décrire. C'est ça, mon courage. On a du monde, bon la bouche, bon doux. La bouche, you, quand vous êtes ensemble, et ça m'a dit, il y a ce désir, c'est pourquoi je ne suis pas content juste personne. Le Saint-Esprit causait ça. Quand je suis dit, dans ce désir, il y a un ennemi, il y a un mauvais ennemi. Tu comprends? C'est pourquoi mes prêcheurs me disent à Dieu, bénis-les. Parce que la parole finit de dire, ne rendez pas le mal pour le mal. Bénis, même ceux qui me disent toi. Bénis-les. Et je me dis, Seigneur, bénis-les dans le nom de Jésus-Christ. C'est ça, mes prêcheurs. Ne pas à partir d'aujourd'hui, pour qu'un bon dieu, ça sort, et une côte. Pas les tabouilles dans la bouche directe.
réfléchis prièrement, bénissage. Nerveux. Nerveux qui se sauve. Prie. Bon, du monde tape la porte, après-midi, pour taper la porte. Et un bon carré, où ça mine fouille après-midi, que tu vous dis, waouh, l'on t'a pas mangé. Béni, mes précieux. Béni, ses repas, dans le nom de Jésus-Christ. Et bon Dieu, de vous faire toutes choses. M'encourage, mes précieux. Prions-le. Patin l'esprit. Patin le Saint-Esprit en l'homme. Prions-le. Vous connaissez, quand vous priez en langue, Dieu vous montre où la directive est dans l'homme. Chacun est un ministère ici, monsieur. Dieu finit par nous, chacun un ministère, servir. Servir le ministère que Dieu finit par nous. Le Saint-Esprit vous montre ce qu'il vient faire. Le ministère qui appelle que Dieu finit par nous, servir, monsieur. Important. Quand vous servez bon Dieu, vous trouvez la gloire de Dieu de vous manifester dans vous là. De vous faire grandes choses. Et de vous, mes précieux. Amen. Ce matin, je vous demande tout même mission. Laisse-nous sentir Saint-Esprit dans tout là. Je connais ce que faire. Hein? Moi, tu peux réviser les messages ce matin vers 5h jusqu'à 6h30. Et une radio internationale, mais tu as vu sur sa radio internationale. Ici à Maurice, il y a la louange, la radio La Louange, dans La Louange de radio. Et quand on met ça, maintenant ça sonne. Saint-Esprit, garde là, mon âme mis dans la joie. Ah! Mon sens est puissant. Et ça fait une bruit dans les cônes. Et je vois mes frères, mon courage, qui vraiment laisse le Saint-Esprit remplir ce matin avec ses sons. Alléluia. Laisse-nous sentir ça, mes frères.